Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation avec une machine que je sors vraiment très très peu et qui pourtant est dans ma collection depuis des années. Aujourd'hui, il fait pas très très beau, j'avais pas envie de bricoler, j'avais plutôt envie de rouler, alors du coup, je suis venu avec ceci, les amis. Ce que vous voyez là, c'est mon Trotilex des années 2000. Et oui, les amis, regardez un peu ce délire. Le Trotilex, c'est écrit ici. Ce n'est pas un fake, hein. C'est vraiment un véhicule qui est sorti, qui est homologué. On peut le voir derrière ici, la plaque d'immatriculation posée un peu comme une mouise derrière, mais pas vraiment le choix. Mais donc voilà, donc je vous le disais, on est ici sur un véhicule de 2000. Il faut savoir que le Trotilex a été produit à Hasparren, si je le prononce bien, c'est dans les Landes, de 1999 à 2002. Pour parler de ce qui est de la partie cycle du moteur, faut savoir que ces pièces, alors j'ai l'usine mais je ne saurais pas le prononcer, mais voilà, ça vient de Hongrie. C'est eux qui avaient racheté à l'époque toutes les machines qui faisaient, on va dire, la marque Solex, vélo Solex. Et donc voilà, ces pièces étaient importées de Hongrie et donc étaient montées dans les Landes. Et donc, des seules indications que l'on peut trouver, que ce soit sur le net ou au bouche à oreille, faut savoir que ce Trotilex aurait été produit à seulement 300 exemplaires, ce qui en fait vraiment un objet de collection et un objet plutôt rare. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce Trotilex a été, on va dire, inventé, breveté par Jean-Jacques Elizondo. Donc voilà, en septembre 96, les 50 premiers qui sont sortis n'avaient pas ce grip-là. Ils avaient un grip beaucoup plus court. Celui-ci a déjà la version longue. Autre détail, c'est cette béquille qui est ici. Ici, une béquille de motobécane type 40, type 50. Les premières versions avaient une béquille en fer plat. Et ça, faut savoir, ce sont les 30 premiers modèles qui ont eu la béquille en fer plat. On retrouve aussi quelques pubs. Hein. Sur la première pub, le premier dépliant Trotilex, le Trotilex, il apparaissait avec un grip en acier. Et puis au final, on apercevait un modèle féminin qui lui avait bien le grip long, comme ceci, la grande selle et le phare de série. Puis un deuxième dépliant sort. Et là, on retrouve le grip long. Mais ici, le tube de selle est équipé d'une protection en mousse qui vient autour. Et le filtre à air qui est ici, lui, se voit équipé d'un bandeau rouge type Solex. Quant au logo de la poutre ici, il devient un petit peu plus discret. Et c'est donc dans un troisième dépliant que le Trotilex va apparaître comme ceci en version définitive. Il faut savoir qu'il sera produit dans 4 couleurs. On va dire le bordeaux ou un peu grenat, si vous voulez, qui est devant vous. Normalement, c'est bordeaux. Il y avait le noir, le jaune et le blanc. Un autre dépliant aussi verra le jour la même année avec un Trotilex, mais en version transporteur. Vraiment dédié aux entreprises. Et en fait, ça reste une énigme parce que, ok, on a vu la pub. Est-ce que c'était un prototype? Est-ce que ça n'a jamais abouti? Ou est-ce qu'il a été produit à ce jour? Moi, je n'en ai jamais vu de vrai. Pour revenir sur mon Trotilex, que je vous disais, bordeaux des années 2000. Il a donc un cadre en acier. On retrouve dessus ici, on va essayer d'y aller doucement. Tac! Un réservoir de 1,4 litres. Sachant que ça consomme en gros 1,2 litres au 100 km comme un Solex. L'ensemble ici fait un poids total en ordre de marche de 27 kg, ce qui devrait lui permettre d'atteindre des vitesses d'environ 30 à 35 km/h. Quant au moteur, vous voyez qu'il est ici devant vous, c'est un moteur de 3008, hein, tout simplement, il n'y a rien d'autre dessus. On retrouve, hop, je vais le remettre dans l'autre sens, vous voyez, c'est vraiment le même principe du moteur. On a un klaxon type Solex, la béquille, je vous l'ai dit, c'est du type motobec. Derrière, on a un feu qui a été monté à l'envers, qui a été retourné, qui est type Peugeot. Voilà, c'était vraiment fait à l'époque avec un peu tout ce qui se faisait dans ces années-là. Et ils avaient donc remonté cette version. Allez, je pense vous avoir tout dit sur ce Trotilex. Alors, je vous fais un tour, ça vous permettra de vous faire une idée sur la selle, voilà, qui était type origine. Donc là, moi, grand système de grippe. Les pneus, voilà, la roue arrière, donc les pneus ont été changés, hein, réussi à retrouver deux modèles de la bonne taille qui allaient dessus. C'était pas ce dessin-là à l'époque, mais voilà, là au moins, il y avait deux bons pneus dessus. Donc le phare avec un interrupteur, un peu des faisceaux à droite à gauche. On a un klaxon avec le petit logo d'origine, l'accélérateur, bien sûr. Et puis voilà, donc voilà, je vous ai tout dit, tout fait voir. Ça aussi, donc ça, ça se dévisse. Vous faites un petit quart de tour, histoire de desserrer. Et vous pouvez venir abaisser comme ça, ici, le guidon au niveau de la selle. Donc voilà ce qui vous permet d'avoir un objet qui prend pas de place et qui rentre dans une petite voiture. Pour mettre le moteur, hein, on le verra dans l'essai qu'on fera par la suite, une manette, voilà, comme ceci, vous venez poser le galet sur la roue ou alors vous le levez, rien de bien sorcier.
Faut savoir que l'Astrotilex, il a pas beaucoup roulé, mais qu'il avait été entièrement révisé. Le moteur est full neuf, tous les joints avaient été changés, et je suis même pas sûr d'avoir fini le rodage avec. Concernant la conduite, on le verra aussi en vidéo, c'est très peu stable. Des petits trous avec le moteur à l'avant, ça tremble vachement, c'est flou, c'est très mou, hein. Le guidon est tellement grand, comme tout peut se plier et se refermer. Il y a beaucoup de jeux, même la selle, hein. La selle c'est qu'un tube, on peut le voir. C'est assez mou, c'est spécial à conduire, mais en tout cas c'est un objet que pour moi il me fallait dans ma collection et voilà, que je sors très peu, qui est souvent en décoration parce que je le trouve plutôt marrant et c'est des objets qu'on ne voit pas souvent. Eh ben écoutez les amis, on va donc en rester là concernant le Trotilex. Si c'est comme moi un objet que vous appréciez, je vous invite à liker et partager la vidéo car en effet on n'en voit pas souvent. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations ainsi que l'essai du Trotilex. Et en attendant, ciao ciao.